un petit bout de temps et je me suis dit, tiens, il est minuit, Romain, ça serait pas mal de se lancer dans l'aventure, de voir de quoi il en retourne. Alors, je ne joue jamais au clavier, hein. Je suis un joueur console, mais on va faire une nouvelle partie, on va voir ce que ça donne, hein. Parce que c'est un jeu qui se joue uniquement au clavier. L'usage est difficile, patience, minutieuse recherche et bonne gestion des ressources seront vos meilleurs alliés. Bonne chance. Très bien. On va voir de quoi il en retourne. Oui, je suis très survival horror. Hein. Là, on vient dans un autre genre, on vient de terminer Dead Space 2 en mode hard. Et du coup, j'ai bien fait de laisser les sous-titres en français parce que c'est un jeu en américain, il n'y a pas eu de doublage. On a que les sous-titres, je veux dire. J'avais pas mis le son du jeu, quel idiot. Commencez bien. On va y arriver, on va y arriver. Faut être indulgent, hein. Fait qu'un mois que je stream. J'ai tout appris tout seul. Perdu mon travail et ma femme. Indulgent. Petit peu envie de chialer en ce moment. Cache pas. Petit peu envie de chialer. Pour ça que je préfère jouer à des jeux un peu comme ça pour me remonter le moral. Essaye de pour tenir bon quoi. Je suis un peu fleur bleue. En ce moment, je suis un petit peu fleur bleue. J'ai envie de jouer comme ça. Voilà. Bon, et la parité. On va s'occuper du papa. C'est propre. Bon, le gosse. Bon. Le gosse, c'est un choix personnel. Hein. Là, moi, je me prononcerai pas. J'aurais peur de tomber sur le coup de la loi. Hein. Et la décision de le tuer, hein, j'entends. Lui, le chien, il s'en fout, de toute façon. Du moment qu'il a son flingue dans la bouche, lui, il est tout content. Alors, on sait pas pourquoi on sort et on boitille. Hein. Bon, là, c'est bon, bah voilà. C'est bon, on peut avancer, on peut reculer. Bon, on refait, hein. On refait, là. On va passer, hein. D'accord, cette salle contient les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de façon différente, dont à la fin d'un chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. Si bien, madame. S'y approche. Le jeu est magnifique. Je le redis, mais ça ressemble à un genre de présentoir. Il n'y a rien dessus. Ok, il y a toujours là. Salut Marie. C'est verrouillé. Il nous faut une petite clé du garage. Et on essaiera de s'en souvenir, hein. Donc, si j'ai bien compris, on était sorti de là, hein. Puis maintenant, on peut plus y retourner. Donc, c'est peut-être nous qui avons tué toute notre famille. Pour la troisième fois, on va se taper la grand-mère au téléphone. Allô? Hello, Twain.
Alors, je m'appelle Doen, du coup. Oui. Oui, ça va. Allez, bye bye Rose. Et puis occupe-toi de tes affaires. T'as rien demandé. Donc la tab, hein, c'est ça. J'ai tout mis là-dessus. Ça c'est pour zoomer, voilà. Et j'ai mis ici. Bon, on verra ça après. Du moment qu'on peut se déplacer déjà, ça c'est un grand progrès. Voilà. Bon. Du moment qu'on a déjà ça, on est déjà bien. Oui, on avait déjà regardé un petit peu la photo, hein. Et normalement, voilà, pour zoomer, c'est là. Voilà. Ok. On est bien. Là, encore une fois, toutes mes confuses. Et je suis un joueur console. Et c'est la, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au clavier, donc... me jetez pas la pierre. Bon, le coup de la santé mentale, je le relis, hein, pour ceux qui découvriraient. La santé mentale de votre personnage affectera le gameplay. Entre autre chose, rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau en bas à gauche de l'écran. Si vous voyez le cerveau très nettement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse et des événements dangereux surviendront. L'icône de nuage rouge apparaît lorsque vous trouvez dans une situation stressante et la santé mentale de votre personnage diminuera alors. Déjà, on va tout allumer. Oui, si ça marche. Ah oui, là ça marche. Bon, j'ai quand même envie d'aller voir là. Interagir. Les bougies peuvent être placées ici. Très bien. Ah. Événements paranormaux. Les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Apprenez à les identifier, car ils entravent votre progression et réduisent considérablement votre santé mentale. La santé mentale de votre personnage affecte également le nombre d'événements paranormaux. La lampe est cassée, elle pourrait être remplacée. Alors là, là elle pourrait être remplacée et là on pourrait mettre une bougie. Ok. Et là il faudra une petite clé comment? Elle est déjà allumée. Une clé avec un petit miroir caché. Donc souvenons-nous qu'il nous faut une petite clé avec un miroir caché. Et la clé du garage. Ouais, le jeu est très 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 beau. Hein. Moyen de l'ouvrir. Ah voilà, ampoule. Les ampoules peuvent servir à réparer des lampes ou des lumières cassées. Ampoule cassée pour être remplacée. Maintenir pour réparer. Ben voilà. Très bien. On a déjà fait quelque chose. Il y a des clés là, bordel de merde. Prendre ces objets lancera un chapitre. Vous ne pourrez pas commencer d'autres chapitres avant d'atterrir celui-ci. Prendre cet objet. Oui, je ramasse. J'ai accepté. Tab maintenir, ouvrir inventaire. Il existe deux types d'objets, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés quand c'est possible dans votre inventaire dynamique. Vous pourrez généralement vous en débarrasser. Les objets clés sont essentiels à votre progression et sont placés dans votre inventaire des objets clés. Ok. Donc là, j'ai mis accepter. Ah, mais j'ai trouvé la clé du miroir. Ok, donc ça, chapitre de Dolores, un rêve retors. Dis donc. Oui, voilà, déjà, toi, tu t'es. Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir là.
Oui, mais il nous faut le faut la petite clé. Pousser avec la souris. Pas l'habitude, hein. Enfin, faut être. Ça fout les jetons, ce jeu. Chier dessus, moi. Ça sauvegarde automatiquement? Ah oui, non, mais non, ça c'est une très mauvaise idée. Éteindre la lumière. Eh ben, on va refaire le coup de la. Du... Voilà. Allez, ouvre-toi, petite porte. Moi, je veux tout de suite la lumière, là, là. Et pas? Oui, on va se chier dessus, c'est très très bien fait. Ah. Sur le chapitre de Dolorès, hein. Au moyen de l'ouvrir. J'aurais bien voulu lire la lettre. Ouvrir les tiroirs. On peut ouvrir les portes. Oh oui, c'est un jeu qui a été, c'est un jeu qui a bien été travaillé. Attendez. Faut être précisément où? Voilà, voilà, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Peut-être que je paramètre un peu ma souris, elle a l'air un petit peu assez sensible. Pour l'instant, ça va. Ok. Dites-moi si le son du jeu est pas assez fort. Bon, à l'étage, non, non, mais à l'étage, ça servait à rien. Il fallait. Par contre, vous allez me prendre pour un con, mais shift, c'est quoi déjà? Pour courir. Pour courir, pour aller plus vite. Je ne sais plus. J'utilise jamais. J'utilise le PC que pour travailler, mais je sais pas les. Ça marche pas. Si OnClone 333 est toujours là, pourrait m'aider. Looking for the garage key? It's probably in your jeans pocket, in the laundry room, as always. Thanks a mille letters, Honey. Et alors, il serait dans ma poche de jean. Alors, je traduis pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Tu cherches la clé du garage? Elle est probablement dans la poche de ton jean, dans la pièce pour laver le linge, comme d'habitude. Tu me remercieras plus tard, mon amour. D'accord. Que j'ai pas envie de faire tout le jeu en mode walking. On pouvait pas allumer ici, hein. Bon, c'est simple. Les portes où on peut ouvrir avec un miroir, c'est celles qui ont un miroir. C'est facile de se souvenir. Quoi? De quoi d'où, de quand? Ah oui, on va plus vite là. Bon, on va prendre les cachets. Comprimés. Les comprimés vous aident à rester sain d'esprit. Merci. Attends. Ils sont essentiels à votre survie. Lorsque votre santé mentale est dangereusement basse, eux seuls vous permettent de la retrouver. Pas besoin de l'utiliser là. Tenir, lâcher. Non, non, non. On peut pas les mettre dans notre inventaire pour les prendre pour plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé là dans l'évier? Comment on zoome déjà? C'est avec. Voilà. Il veut pas rester sur le zoom.
Mais bon, il y a eu de la pilule, il y a eu du rasage, il y a eu des choses. Hein. On peut ouvrir ça? Ça me plaît, hein. Alors, ça se voit peut-être pas, mais ça me plaît. Ah, y a bon, eux au moins ils ont du PQ. C'est ça parce qu'il faut que j'en. Oh, mais le miroir a été cassé là. On peut ouvrir aussi. Non, pardon, allez. Voilà. Pas de trop, trouve pas de trop. Pas le temps de regarder. Voilà. Parfum, il y a plein de petites choses. Petites fraises. Oui, c'est vraiment. Faut ouvrir. La souris sert vraiment comme dans la réalité, quoi. Petit réversoir, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas demander du tout de prendre un cachet. Il a pris un cachet. Faut que je referme pour pouvoir passer? Ah non, 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 non. Attends, pas du tout la lumière. Ah voilà, elle est pas fermée celle-là, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on prend le cachet? C'est plus. Attendez. Marcher, s'accroupir, c'est CTRL. Ok. D'accord. B, c'est zoomer. Quoi? De quand? De pourquoi? Qui a éteint la lumière? Mais. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette porte qui s'ouvre? Comment pour les cacher? Maintenir, examiner, changer de main. Courir, ok. Interagir. Ah, j'ai bouffé déjà tous mes cachets, quoi. Très bien. Quoi, 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 quoi? J'ai envie de mettre le jeu du. J'ai envie de mettre le son du jeu un peu plus fort. J'ai l'impression que vous n'entendez pas, vous. S'il y a une personne bienveillante dans le chat. Mais je vais pas reprendre. Je vais pas reprendre un cachet. Je veux juste regarder mes pompes. De Dieu. C'est drôlement mal rangé ici. C'est quoi cette éducation? Pas que dalle en plus. Tout cas, c'est drôlement. Ils ont tout agencé là comme ça, comme si c'était. C'est quoi ça? J'en vois rien. The Neighbor. Ah, c'est comme un espèce de. Comme les vieux magazines, les contes de la nuit. Tourner les pages. QED. Évidemment, on voit que dalle. Mère de Lucie, laisse-moi passer, c'est mon bébé, c'est notre enfant. C'est inutile à présent. Les pages ont été déchirées. L'impression que j'ai peut-être loupé quelque chose d'essentiel, j'ai pas tourné toutes les pages. Si, si, on était au bout. C'était de lire. Et du coup, on a plus de médoc, hein. Que dalle. Tu m'étonnes que t'as peur. Prendre près de la lumière. Ça va? Alors ça, c'est pour se baisser. Mais Shift, c'est... Qu'est-ce qu'ils appellent Shift, déjà?
C'est ça, hein, shift. C'est plus. Les gens vont me juger, hein, comme dirait Mister MV. Pas savoir shift, hein, c'est un peu chaud. Des bougies peuvent être placées ici. Ah ouais, mais c'est un peu tard pour me. Alors là, c'est un petit balcon. Mais y a pas des... y a... on peut pas. Interagir. Ah putain, il y a une lampe. C'est pas possible, un petit balcon qui mène nulle part. N'existe pas. Attends, c'est pour venir en bas. Quoi, la télé? Ah oui, bon, en fait, shift, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, c'est mage, c'est la touche majuscule, j'avais un doute. Ah, y a pas, y a pas. Il est où ton bitonio là pour allumer ta, la lumière a, dans toutes les chambres, ils sont là. Hein. Excuse, mais là. Oui, bah je reste pas longtemps dans l'obscurité, hein, j'ai bien compris. Chercher. Faut qu'on aille à. J'ai compris, à la lingerie là. Là, il y a la téloche, hein, si je me souviens bien. On peut ouvrir ça. Et là. Ouvre-toi, petit père. Ah, là, il y a un... Ah ouais, voilà. Non, non, laisse-toi allumer, hein, évidemment. On ira voir le chat après. Là, Carla. C'est Carla la Brunet. C'est Carla la Brunet qui a fait le tableau. Bon, ça va. Ça, c'est encore la clé du garage. Ça nous fait deux portes avec la clé du garage. Où est-ce qu'ils appellent courir, en fait? C'est... Courir, c'est... Marcher un peu plus vite, quoi. Et là, je suis pas fou, il y a la télé qui s'est mise en route. C'était pas là. C'est un truc avec un balcon. Pas du tout, c'est pas du tout. Ah. Ça me servirait quoi? Un verre. Voulez que je fasse avec un verre, monsieur? Et d'accord. Il faut que quelqu'un veut de l'eau. Examiner. Droit. Venir. Ok. On se retrouve avec un verre, mais bon. Verre, moi. Pas le foutre dans l'inventaire? Putain de verre? Non, ça en est débarrassé du coup. Merde. S'il nous file un verre, c'est qu'on en aura besoin. Bon, on laisse le verre là. Remarque, on peut en prendre un autre. Hein. Chez. H, c'est pour lâcher. Pas très grave qu'on ait un verre en main. Si, parce que ça nous emmerde. Gauche, lâcher. Bon, la landry, là, ça se trouve où? Sens qu'on va être obligé de monter. On vient, non? C'était quoi ici déjà? Je peux plus y aller. Bah, c'est ici. Bonne.
Ranger. Oui, on allume, on allume, on allume. Très bien, les cachets. Ah bah voilà les bougies. Les bougies sont des sources lumineuses fixes pouvant être allumées avec un briquet. Déplacer avec la bougie avec à la main une bougie allumée et l'éteindra. Elle dure longtemps et améliore la santé mentale de votre personnage. Alors, c'est des sources lumineuses fixes pouvant être allumées avec un briquet. Ok, donc on peut foutre là où on veut. Enfin, là où c'est possible. Par contre, si on se déplace à la main avec une bougie allumée, ça l'éteint. D'accord. Elle dure longtemps et améliore la santé mentale de votre personnage. C'était où qu'on pouvait mettre une bougie? Je sais plus. Chialer. Putain, se retrouve avec des médocs avec une bougie. C'était là. Voilà. Maintenir avec briquet allumé. Non, 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 je vais la mettre là. Attends. Putain. Idiot, là, quand même. Et oh. Attends, on recommence. La bougie, j'arrive ici. Gauche, ramasser. Droit, ramasser. B, avec briquet allumé. Ah non, mais il l'avait déjà posé, là. C'est pas clair, hein. Non, en fait, dès qu'on arrive, il la pose. Ouais, voilà. Ah ouais, mais bon, c'est pas intuitif. Désolé, c'est pas intuitif. En tout cas, on pourra mettre une bougie. Pas de briquet. Bon, en retournant. La bougie va peut-être nous servir peut-être ici. Non, je vais pas fermer la porte. Ah, très bien ça. S'il y a quelqu'un qui s'amuse à éteindre les lumières aussi, ça va pas être. On va pas être copains. Comment on fait pour changer de main déjà? Maintenir inventaire. Changer de main, c'est quoi? C'est la barre espace? Oui, voilà. Ça, on peut avoir deux objets. Pourquoi ça bouge comme ça? C'est lui qui a fait du bruit tout à l'heure. Enfin, c'est lui, c'est l'horloge. Ça me rappelle chez mes grands-parents, ils avaient une horloge comme ça. Autant vous dire que quand on était gosse, faisait pas les malins. Surtout à minuit. Et oh là, oh là, oh là, mais quoi? Je suis près de la lumière. Bon, on continue, on continue, on continue. On est près de la lumière là. Là, j'ai la gueule dans l'ampoule. Ah là, tu disparais. La chambre du gosse. C'est quoi ces lumières qui allument que un endroit? C'est quoi ces. C'est des enfoirés les parents. Ça allume pas celle-là. Non, non, les parents ont décidé de dévisser l'ampoule. Ah, parce qu'il faut deux lumières. Ça allume derrière là. J'espère que ça save automatiquement. Putain. C'est une petite fille qu'on a. J'espère. Des fringues de. Ça fout trop les jetons, ça. Personne n'achète ça à un gamin. En plus, regardez la corde, c'est un truc pour se pendre. Quoi ça? Tourner.
qu'il a un truc dans le cul? Non, mais je veux dire. C'est compris. Il n'y a pas quelque chose de caché, quoi. C'est compris. Tout de suite. Et là. S'allume là. Il y a un truc qui s'allume. Bon. Moi je laisse tout allumé. Hein. Déjà si on fermait la porte, il y aurait plus de lumière. Et là. John Me. Quoi, quoi, quoi? J'ai le casque à fond. Okay. Alors, John, okay, me. Pourquoi il a pas marqué papa? Il s'appelle John. En plus, nous on s'appelle Wayne, donc c'est pas nous. Les bougies peuvent être placées ici. Ah, voilà, Sarah and Dad. Est-ce que c'est le même que là-bas? Ah oui, c'est le même. Il s'appelle John en fait, papa. Elle s'appelle Sarah. Allez, viens là, la porte. Ah. Je peux te placer ici, oui, très bien. Quoi? Mais pourquoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur de rien. Putain de ta mère Ça s'est fermé. J'aurais dû prendre la bougie avec moi. Je suis sûr que ça puisse ouvrir. Si. Je suis à deux doigts d'aller chercher la bougie de là-bas. Hein. Alors eux, dans leur chambre, ils ont... Est-ce que c'est une chambre qui concomitance avec qui est en concomitance avec la chambre des parents? C'est quoi cette famille qui range que dalle? Ça c'est bon, tout est allumé. On est déjà venu ici. T'es resté trop longtemps dans l'obscurité. Oui oui d'accord, mais je suis pas dans l'obscurité là. Regardez. J'ai les yeux dans la lampe. Je peux pas être plus être au mieux là. Déconner. Ah, on voit même pas mon reflet. Ça c'est un peu dommage. Pas d'autre. Bah, de toute façon il faut. Ah. Et on peut ouvrir les trucs. Ah, mais on peut refermer vite fait les tiroirs. Il n'y a pas besoin d'appuyer, de se faire chier avec. Très bien. Ouais, parce que là, je... Ah mais ça picole en plus. Bravo. On peut mettre une bougie. Ah, on a trouvé le briquet. Les briquets servent de petites sources lumineuses pour explorer la maison et ils durent peu de temps. Ils n'empêchent pas l'accumulation de stress. Rester dans le noir avec un briquet affectera la santé mentale de votre personnage. Ils servent aussi à allumer les bougies. Une bougie. On a mis une dans... Putain, la... souvenir de la baraque. Les gamins ils doivent s'y perdre ici. Je crois qu'on a mis une bougie là. Non, on n'est jamais vu. Oh putain. C'est où qu'on a mis une bougie? Il m'a rajouté les mêmes. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi il s'est débarrassé de la bougie? Ah, elle est là. J'ai eu peur. Maintenir avec briquet. Je vous le cache pas. Le gameplay est pas très clair. Ah!
Maintenir. Servez-vous d'un briquet? Mais oui, mais je l'ai le briquet. C'est quoi ton problème? Regarde. Oh. Mon briquet, je l'ai dans la main là. Voilà, je l'ai. Et là, gauche. Putain. J'essaie juste d'allumer la bougie avec le briquet, déjà j'ai du mal. Hein. C'est bon. Là, on a le briquet. Qu'est-ce qui est écrit? Maintenir avec briquet allumé. Ah, faut qu'on allume le briquet. Comment t'allumes le briquet? Maintenir, lâcher, examiner. Maintenir, utiliser. Ah voilà. Non mais c'est pas possible, mais c'est super. Ils sont cons ou. C'est moi. Voilà. Comment on l'éteint, le briquet? Voilà. J'ai mis. J'ai rien. J'ai. Va repasser comme ça. Là, on a une bougie. Moi, il y a de la musique maintenant. C'est pas Télache en bas? Et comment on save? M'intéresse. Sauvegarde rapide, F5. Ah bah merci, parce que j'ai pas envie de tout refaire. Pardon. Arriver par là. Voilà. Ok, bon, on va placer une bougie là. On va aller chercher la bougie. Oh putain, c'est 30 000 ans. Comment on la met dans notre inventaire? Maintenir, examiner, utiliser. Putain, mais ça reste que 2 secondes. Utiliser objet, déplacer N. Elle va s'éteindre. On dit que normalement elle s'éteignait. Ramasser, maintenir avec briquet allumé. Ah bah c'est bon, elle s'est mise toute seule, ok. Oh putain, F5. C'est pas intuitif, hein. Alors peut-être pour les gens qui jouent sur PC, ça l'est, mais pas pour moi. Health, directeur, retire for business après 45 ans. Il a arrêté de travailler après 45 ans de loyal service. Un nouveau député nommé après les élections. Je sais pas si c'est un rapport avec le jeu. De quoi? De caisse? De coups? De quoi? Pourquoi? Pourquoi la porte s'est éteinte? Si on est près de la bougie, on n'a rien à craindre. Heureusement qu'on a ramené la bougie, on aurait été dans le noir, on se serait chié dessus là. Je suis un garçon qui est normalement téméraire, mais bon là, faut pas déconner. C'est verrouillé, rien n'indique que la clé est nécessaire. Quelle clé est nécessaire? Toute façon, il faut qu'on aille dans le laundry, nous. Faut qu'on trouve notre jean. La clé du garage. Rien à foutre là, en fait. Ici, c'est juste pour nous embêter. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui retire la porte? Non.
Save. Si j'avais perdu. Non, mais je veux pas prendre un cachet. Oh putain de ta mère. Échappe, charge est partie. Dernière sauvegarde automatique. Non, déjà qu'on va pas avoir beaucoup de cachets, j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Compris le délire. J'arrête de prendre, de bouffer les cachets quand c'est pas le moment. C'est la porte comme dans Silent Hill 4. Ils sont au courant de ça? Ils sont au courant là d'avoir un peu. Hein? Je pense qu'ils le sont. Pourquoi le chargement est si long? Ok. Comme dit Rooper, on est back. Ok. Parce que en fait, un objet qui est dans la main gauche, on l'utilise. Enfin, je crois. Là, ici, on aurait pu mettre une bouche ici. Bon, où donc nous. Quand t'as une maison, c'est la salle de bain. Tiens, putain, déjà ça fout pas les jetons quand tu tires le rideau. Qu'est-ce qu'il y a par terre là? Se laver le cul? Un grattoir pour le cul? Ok. Et où ils ont foutu leur Landry, c'est bien là où on lâche le linge. Ça on l'avait déjà ouvert. Ce truc là il y a dalle. D'accord. Il y avait que dalle, il y a du PQ quoi. Qu'est-ce que c'est long hein? Ça c'est quoi? Ibuprofène. Profène. Mec il prend des ibuprofènes. Tic. Ah oh, ça va. Qui vous êtes pour juger? Parce que les tics et je prends de. Et je prends du baclofène. Bon, voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Comme je vous ai dit, pour me remonter le moral, bah, je joue à visage la nuit. À 1h13 du mat. Très bonne idée. Excellente idée pour me remonter. Bon, et la landry, elle va être en bas. Hein. En général, on lave le linge en bas. F5. De toute façon, je vais faire F5 toutes les 10 secondes. De quoi? Mais se rallume à chaque fois? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me veulent du mal ici. Hors de question d'éteindre la lampe. Façon, il y a le 2. Hey, c'est une maison américaine, hein, on est bien d'accord? La landry, elle est en bas. Hein. Les Américains, ils lavent pas leur slip en haut. Hein. Ils lavent leur slip en bas. Ouais, mais là, c'est pareil, il fallait la porte du garage. Par exemple, ça, c'est très. Ah! Ah, là, ça allumait. Je l'ai vu sur la portière, il y a quelque chose qui s'allumait. Là, ça allumait. Chose ici? Ah, c'est pour mettre une bougie. Et je loue plein de bougies ou. En fait, il faut emmener la bougie avec moi, quoi. Quand j'en ai plus. Quand j'aurais oublié quelque chose d'essentiel ici. Quoi ce bruit? C'est quoi ça? Dis donc, oh lolo, j'ai 41 ans, je me chie dessus, comment. C'est quoi ça? Juste un miroir. Sauvegarde en cours. Il est où le miroir? Putain, le miroir il a disparu. D'accord. De quoi, d'où, pourquoi? Qui êtes-vous? Quelle formation avez-vous? C'est quoi ce délire? Ah, la porte s'est ouverte. Oh là là.
Déjà, on allume. Et on se prépare à prendre des cachetons. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas du tout envie de retirer le voile. Qu'est-ce qu'il y a eu là-haut? Comment je zoome? Mon zoom, il s'arrête tout de suite. A-t-on évité de rester trop longtemps dans l'obscurité? Oui, mais je suis pas dans l'obscurité. Putain, et en plus, j'ai utilisé mes cachets comme un gros con. L'appareil peut lire les cassettes vidéo. J'en ai pas. Il regardait faire 3. Allez, allez, ringard. Salut Tamae 78. Je sais pas si ça fait longtemps que tu m'as laissé le message, mais ça fait c'est gentil. J'ai pas encore l'habitude de lire le chat. Comment on allume? Putain, je... Ok. J'arrive pas à bien jouer, hein. Je... Vite. Voilà. Mais j'ai pris encore un cachet. Ouh de Dieu, ça m'agace. De quoi? Comment on fait pour lâcher un truc? Clic gauche, maintenir, examiner, droit, examiner. Ouais, d'accord, mais comment on lâche quelque chose? Ça, c'est pour zoomer. Ah voilà, voilà. H, lâcher. Voilà, ok, on y arrive. Maintenant, je vais m'embriquer. Et je m'approche. Et comment je l'allume la bougie? Quelle idée de jouer à cette heure-ci? Ah ouais. Putain, mais si tu peux m'aider, ça serait très gentil. Je n'arrive même pas à allumer la bougie. J'ai réussi une fois à le faire. Si tu veux, je prends la bougie. Voilà. Je fais G là pour. Voilà, là je la lâche. On est bien d'accord. Maintenant, regardez, je prends mon briquet. Mais c'est quoi ce jeu qui est pas du tout intuitif? Je voulais voir l'ambiance, bah t'es servi, hein. Tu me laisses me démerder? C'est gentil. N'hésite pas à me suivre pour me revoir me chier dessus. Ça me fera plaisir de te revoir. Bonne soirée à toi. Maintenir avec briquet allumé. C'est bon? Ah bah voilà. Ok. Et maintenant nos cachets sont là. Mais non, mais il est où le briquet? Putain, mais qu'est-ce que je suis con. Ah, on peut pas s'en débarrasser en fait. Comment on arrête d'utiliser le briquet? Voilà. On doit y certainement avoir un autre raccourci, mais je l'ai pas trouvé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mon Dieu. De quoi? De quoi? De quoi? On est près de la bougie, qu'est-ce qui nous emmerde? Voilà, tout est allumé là. Déjà la télé, on l'avait éteinte. Hein? C'est pas mieux là?
On n'est pas comme chez mamie là déjà? On n'est pas un petit peu mieux? Je suis en train de me dire que la bougie, ça serait peut-être mieux. La bougie, elle se rallume à chaque fois, hein. Ah non, c'est autre chose. Encore des photos. Ok. Ça, c'est très mauvais goût, hein. C'est encore Claudia Schiffer qui a fait. Ah non. Carla, toujours Carla Bruni. Bon. Il y a des lettres par terre. Pas les lire. Si, si. Pas moyen de l'ouvrir. Ça, il y a moyen de l'ouvrir. Bon. Ça nous dit pas où aller. Est-ce qu'on a tout allumé? Et à Jésus. Quoi? Pourquoi ils ont mis autant de tableaux? Ils sont complètement fous. Pas besoin d'en mettre autant. Mais ils consomment de la pilule aussi vachement grave, regardez ça. Ah, ça bec du Médoc ici, hein. Il y a des clés là. Oh putain, la clé du sous-sol. Bon, allez. Basement. Bon, allez, hop, on fait F5. Même si on a bouffé des. Les Médocs pour rien. Bon. On progresse petit à petit à notre rythme, hein, c'est-à-dire à 5 à l'heure. C'est quoi ces portes qui s'ouvrent que dans un sens? Les portes ne s'ouvrent que dans un sens, mais normalement les jeux vidéo ça s'ouvre dans les deux sens. Mais pourquoi il y a cette radio qui se remet en marche à chaque fois? Prends notre courage à deux couilles. Hein? Prends notre courage à deux couilles. Et puis on va essayer de voir ce qui se passe ici, quoi. Quoi, claque? Non, non, non. Regardez bien. Quand j'appuie, on voit que. Vous voyez? On voit que ça s'allume sur le. Vous voyez? Là, ça allumait sur la clenche. On voit que ça allume à l'intérieur. On va pas m'avoir. Ça sera pas dit, on va pas me baiser. Hein. Je veux la clé. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Mais pourquoi donc? Ah, c'est la clé du garage. Moi, j'ai la clé du sous-sol. Merde. Le sous-sol, il serait pas au sous-sol. Mais le garage, c'est le sous-sol, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Encore un tableau de Carla la Brunil. Bon, la clé du sous-sol, on va dire que c'est la clé du garage. Allez, oh, ça va. Bon, en tout cas, on a trouvé une clé. J'aime pas quand c'est ouvert, quand c'est pas ouvert. S'il allait se passer des choses. Allez, on ouvre tout les enfants, là, on allume tout, hein. On fait un feu avec tous les livres. Hein? On reste pas comme ça dans la pénombre, hein? La clé du sous-sol, elle va pas me servir à ouvrir au premier étage. Par contre, il m'a dit que. Oui, là, c'est aussi la clé du garage ici. Hein. Par contre, il m'a dit au niveau de ma progr... Putain de ta mère, mais c'est quoi ça? Ils ont besoin de faire du bruit comme ça pour fermer les portes. Heureusement que je crie... Heureusement que je parle pas fort. Ils m'ont dit qu'au niveau de ma progression, il y aurait des petites choses ici. Il n'y a rien dessus pour le moment. Et il n'y a pas moyen que les portes s'ouvrent un petit peu plus vite là, ça, je me casse le bras à chaque fois à pousser la souris. Alors, on va
pas se refaire après. Bon, et on a la clé du sous-sol. Il faut qu'on aille rechercher notre jean, hein, c'est ça. Il y a la clé du garage. Voilà, la clé du garage, elle est dans la poche de notre jean. Ça, on est d'accord. Et ça, on a cette information-là. Un Carla Bruni, mais décidément, ils sont très très amis avec Carla Bruni. Elle leur a fait une quantité dingue de tableaux. Hein. C'est le quatrième là. Pour ce qui s'est passé. Elle a fait du painting pour eux. Hein. Ah bah c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Là, il y a eu amourette là. Là. Il y a eu quelque chose. Hein. C'est pas que Amic. Le mur il a un petit fissuré. Frère. On tourne en rond là un petit peu. Alors, évidemment, il y a des triggers partout, hein. Et c'est à nous de les trouver. Clé du sous-sol. Désolé, mais. Je serais d'avis à remonter. Il y a peut-être une cassette. Bah, clé du sous-sol, bordel de merde, c'est là. Putain, on progresse pile au bon moment. Vous avez vu ça? Comment le timing est bon là? Vous trouverez ça chez aucun autre streamer. Hein. Un timing parfait comme ça. Ok, F5. Aucun autre streamer a ce timing de découvrir au dernier moment les trucs. On en a déjà un briquet, hein? C'est pas fou. Et on peut pas le. Hein? Ce que je veux dire? On peut pas mettre plusieurs objets dans le même. Ah bah clé du sous-sol, mais on a tout ça, on a tout ça, madame. On a tout ça en magasin. On a tout ça, on a tout en magasin là. Vous allez dire que je suis parano, mais. J'ai remis le. Enfin, j'ai refait une sauvegarde. Le mec qui se balade avec son briquet et sa boîte de médoc. Tout cas, le jeu a été drôlement bien travaillé. 3h33, 3h33, ouais. Évidemment. Examiner. Gauche, ramasser. Mais ça, c'est les verts, on s'en fout. On s'est déjà fait avoir. Comment on range déjà un objet? Putain. Excusez-moi, je regarde vite fait encore. Maintenir, examiner. H, lâcher. Non, lâcher, on veut pas. On veut ranger, nous. Pas ranger un truc. Là, on a ramassé la tasse, par exemple. Bon. Ah. Petite poêle là. Elle est propre. De collision un petit peu, mais bon, le jeu peut ça peut pas être parfait. Les gens veulent dessert avant l'entrée, toujours arrêter d'examiner. Il y a eu quand même une bonne volonté. Ils ont entamé à faire la vaisselle. Qu'est-ce qui est écrit sur le frigo? C'est la marque, c'est tout. L'air bien bizarre ce frigo. C'est un frigo, moi, ça. Tout va à droite. Pas comme le. On peut pas. Non, je veux pas ouvrir mon briquet. Moi, j'éteins mon briquet. C'est quand même chiant ça. Ah, mais il suffisait de faire. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait.
On peut prendre du ketchup aussi, bon. Oh, moi j'ai tout ramassé, hein. Remarque, on a un inventaire qui est limité, hein. Il est déjà plein, hein. On n'est jamais venu là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit tiroir là? Je le sens pas ici. Je vous dis tout de suite, je le sens pas. Là, il y a la taille des gamins. On faisait ça avec mes petits frères aussi. Bon, maintenant, ils font tous 1m80. Alors, Sarah, maintenant, elle est grande comme ça? Elle est plus petite? Elle a grandi d'un coup? Elle est aussi grande que moi? Attendez. C'est la gamine. Comment ça se fait qu'elle est grande comme ça? Ça, c'est encore un truc pour nous foutre les jetons. Prendre quoi? Mon inventaire dynamique est plein, bah oui. Peux pas pousser le meuble là pour que ce soit plus facile après? Ah voilà. J'ai demandé. Petite sauvegarde, hein. Ok, bon, maintenant on ouvre ça. Voilà. On aère, on ouvre tout. Pourquoi on n'attendrait pas qu'il se fasse jour d'ailleurs pour faire toutes ces expéditions là? Hein? Pas de meilleure idée? C'est quoi l'intérêt de faire ça de nuit là? Parce que moi je m'amuse la nuit à faire ça dans mon appart avec mon briquet, mes médocs. Non? Non, je ne fais pas ça. Et dans la poubelle? Regardez ça, comment je suis malin. Quoi? De quoi? J'ai juste regardé dans la poubelle. Ça y est, c'est interdit. Je sens qu'on s'approche de la porte du jean et du Landry. Hein. Je le sens, je le sens. Ramasser. Qu'est-ce que c'est? Votre annulaire dynamique est plein. C'est quoi? C'est une bouteille, on s'en fout. Oh, ça se trouve, c'est quelque chose d'essentiel. S'en fout. De toute façon, on a fait une sauvegarde. Là, on peut allumer, là. Ah. Voilà. Ça, on peut ouvrir, ça. Non, bon, allez, hop. Pas le bouton courir pour eux. La clé du sous-sol. Mais on l'a. On a tout ça, madame. Voilà, on a. On a ça en magasin. Ah, je galère pour ouvrir à chaque fois. Allez hop. Bon. Pourquoi pas? Ça allume quelque chose, ça? Attendez, je me mets là. Dans le doute, on va l'allumer. Oh, je le sens pas. Mais on va au sous-sol là. Ils ont fait des travaux. Bien fait. Mais très bien le son du jeu un tout petit peu plus fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Attendez. Un tout petit peu plus fort. Parce que c'est un jeu quand même. J'essaye de pas parler fort. Bah, je me suis couché là. Ah oui, j'étais couché. Peut-être plus être dans l'ambiance là, si je me le sens un peu. Putain. Attention, ne restez pas trop longtemps dans le noir. Oui, d'accord. Oui, bah je. Lumière, regardez. Je suis à la lumière. Là, je suis à la lumière. Je me crame les yeux dans la lumière. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne.
Non, c'est... On va aller voir le mannequin là. Parce qu'il a une... C'est curieux d'avoir un mannequin comme ça, puis avec une bombe de gaz. Hein? Qui fait ça? Personne? Personne met un mannequin sur une cagette. Sur une palette en bois là. Personne? Bombe de gaz. Curieux, hein? Les gens, ils sont curieux. C'est quoi ça le truc là? On peut tout allumer là? Ah, merci. Là, j'ai eu un. De loin, je me suis dit, oh là, ça ressemblerait pas à un petit truc électrique? Évidemment. C'est maintenir. Ça, c'est l'expérience de la vie, hein. Ça m'a. Oui, je retourne près de la lumière. Attendez, attendez. Attends. J'ai là. Voilà, regardez. Hop. Je me mets la gueule dans le projo, t'as vu? Je fais des petites blagues hein, parce que ça me permet de détendre. Je rappelle que j'habite en forêt et que je suis en train de jouer tard. Suis sur mon portable dans une tente. En forêt. Oh, c'est bon. Continuons, continuons, continuons. On a pas peur. Carla Labrunelle elle a encore fait un tableau ici. Elle a passé sa vie à faire des tableaux pour ces gens. Bon, moi je suis d'avis qu'on change de main. On utilise le briquet. Putain, ça aurait été bien d'avoir une bougie. Y'a pas un bouton là? Ah voilà. Voilà. Commence à connaître le gameplay là. Ça commence à être un peu mieux là. Là, voilà. Voilà, on tourne, mais. Un petit F5, hein. Pas rager. Père. Non. De quoi? Qui? Oui, ambiance. Ambiance. Tama 78. Ambiance. Allez là. Et oh là là. Toi. Perfence. C'est les toilettes là. Ah oui, c'est les toilettes, c'est sûr, mais. Quoi, on peut pas allumer? Ah voilà. J'espère que mon briquet il fonctionne longtemps. De toute façon, regardez. Mais quoi, de quoi, pourquoi? Qui a fait ça? Non, non, pas dans le noir. Pas... Qui a fermé la porte des chiottes? Putain, mais ils ont éteint la lumière. Ah non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien. Ouais. Quoi, mais putain. Enfin, je sens, j'en sais rien si je suis pas. Vous savez quoi, j'ai même envie de mettre le son du jeu encore un petit peu plus fort. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà. Ah, comme ça, vous allez être exactement comme moi. Vous allez moins faire les malins. Du coup, je sais plus par où je suis venu. De quoi? Oula, et oh! Dis donc, ça serait pas un peu hanté par ici? En train de me poser la question là maintenant, là, maintenant qu'on y pense. Qu'est-ce qu'il y a dans la cagette? On peut mettre une bougie. Il y a une bougie, on en a qu'une. Ah maintenant on en a une autre là. De quoi? De qui? Quand? On allume tout. Je vais lire ça après, déjà on prend la bougie. Attendez, mon inventaire dynamique est plein.
J'entends bien. Mais je vais jarter quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend? Comment on balance le tabasco? Ah, tu te mets dans le noir? Très bien. Comment on lâche un truc? Lâcher. Voilà. Voilà. Je veux reprendre la bougie. Mais putain, mais... Ils me remettent dans le noir à chaque fois. Allez. Ah, mais il y en avait déjà une bougie. Ok. Maintenant, on reprend le briquet. On a plein de briquets. Ah là, ça y est, on commence à comprendre un peu le délire. Comment on éteint ce putain de briquet? Des fois ça s'éteint, des fois ça s'éteint pas. Faut pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qui est écrit? Put the toys back in their place. Oh putain! J'essaie d'éteindre le briquet, il veut pas. Bon. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Je refais F5. Put, alors, remets les jouets à leur place. Ne crie pas. Turn off the TV when leaving the basement. Bon, on a déjà éteint l'appel. Demande à papa pour les clés et si tu as besoin de quelque chose dans le storage room. N'essaye pas to go in the... Lockroom, n'essaie pas d'aller dans les chambres fermées. Have fun. Qu'est-ce qui est écrit là? Basement rules. Alors faut remettre les jeux à leur place. Faut crier. Faut éteindre la télé. Ça allume quelque chose ça? Oui, ça allume là ici. Bah, du coup là dans l'inventaire, on a encore une place, on peut reprendre la bouteille de ketchup. D'accord. Ça. Bon. On met les jeux à leur place. Examiner. Chose dans le pot là. Pédale. Moi je cherche surtout à allumer les lampes. Voilà. Ça la fon semble fonctionner. Mieux. Peut-être qu'on a fait une connerie là, qu'il fallait pas allumer la télé, ils nous ont éteindre. Indispensable ketchup, bon bah parfait. Bon, et là il y a des bougies, moi je tu me dis qu'il est indispensable. La tasse, je sens bien qu'on va. La tasse, on va la mettre là. Hein. Non, je veux pas prendre un cachet. Putain de ta mère. Je voulais me débarrasser de ce... De la tasse. Peut-être pas ici. Mais... Je veux la poser là, tout simplement. Voilà. Et la bougie, on la prend. Voilà, comme ça, on a une bougie. Quoi nous servir, mais on a une bougie. On peut la mettre là en attendant. Parce que là, j'ai les mains prises. Les bougies, elles se consument au fur et à mesure. Faut les mettre dans les inventaires, hein, les bougies. Attendez. Non, non, c'est les objets dynamiques. On peut pas. Ketchup sur la bougie. Évidemment. Simuler du sang. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que regardez ça.
On va la foutre là. Voilà. Parce qu'on n'est pas trop con. Il y a plein de choses qu'on est. Mais on n'est pas trop con. Là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça qu'on est en train de te baiser le fantôme là? F5. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'on a mangé des. On a mangé des médicaments, quoi. C'est la Landry? Y'a quelqu'un? On a retrouvé une ampoule. On peut la prendre l'ampoule? Ah, très bien. Là, il y a plein d'ampoules ici. C'est quoi? C'est la gazinière? Attention, évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité. Mais je suis pas dans l'obscurité, je suis près de la bougie. Alors? On va remettre une bougie là-bas. Il y en a deux. Rien d'autre à prendre ici. Mon inventaire est plein. C'est quoi ça? Du dash. Non. La télé est encore allumée, faut l'éteindre. Il a dit de fallait ranger les jouets et éteindre la télé. C'était les règles. Mais on peut les prendre les jouets? Vous entendez là ça? Pas normal hein. Si. Il y aura un truc dans le frigo. F5. Il y aura un truc dans le frigo. Faire le coup de chon. Oh ça c'est du sel. Trop ailé ça. Ah oui. Qu'il y a dans le fond. Ah, quel. Ah, si, un truc. Ah, faut ranger les jouets là-dedans. C'est de poupée russe. C'est de Matryoshka. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu. S'évaporer. F5. C'était un truc à faire, hein, je pense. À moins qu'il faille mettre tous les. Oui, c'est chelou, oui. Matryoshka qui disparaît comme ça. Bon, on est bien d'accord, les jeux, on peut pas les ranger, hein, regardez. On peut pas les prendre. Décidément, Carla Brunet, hein. Bon, on continue. Ah, voilà, là il y a une bougie. Je veux pas que je la prenne. En même temps, ici on va pas avoir y retourner. Un peu. Je commence à me faire un peu aux touches du clavier. J'ai pas joué au clavier, mais vraiment depuis. Mais alors, ça fait des années quoi. Ah, si, non, j'ai fait The Witness. Pardon. J'ai quand même joué au clavier. Alors, read backside. Lié au dos. Do not enter here. N'entre pas ici. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Kid, if you need something in the electric room, go ask Doug in his office upstairs. Les enfants, si vous avez besoin de quelque chose dans la... Putain! Dans la chambre électrique? Ça, c'était juste pour nous foutre les jetons. Putain, mais... Du coup, j'ai pas le temps de lire. Les enfants, si vous avez besoin de quelque chose dans la chambre électrique, déjà, les electric room... Allez demander à votre père dans son bureau à l'étage. Oui, d'accord, mais moi je vais ouvrir la porte. Clé du local électrique. Putain, mais il nous faut une carte. Où c'est que j'ai vu qu'il y avait une bougie tout à l'heure? J'aurais bien mis cela. Après. Rien n'indique quelle clé est nécessaire.
Genre ici, on n'aura plus besoin d'y revenir. Attendez, j'ai encore de la place dans mon inventaire? Non, j'ai plus de place. Mais le gobelet, là, on en a rien à branler. Comment on s'en débarrasse? Vous ne pouvez pas placer cet objet, il est inutile à présent. Putain, mais moi je veux me débarrasser du verre. Comment on fait? Tu pourras prendre la bougie. Vire le ketchup, oui. Mais je ne sais pas comment le prendre. Ah voilà. Et là pour le lâcher. Voilà. Je change de main. Je prends la bougie. Très bien. C'est éteinte évidemment. Qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? On voulait la foutre là. Pour après, pour se souvenir. Parce que là, il faudra revenir. Du coup, je reprends mon briquet. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai deux briquets. Hein. H. Ah oui. Bon, j'avais trouvé, mais je te remercie. C'est gentil. Ça, au moins, quand on reviendra, on sera un petit peu plus à l'aise. Bon, allez, F5. Donc, il faut qu'on trouve. On est toujours dans l'histoire de trouver les clés. Hein. Il faut qu'on trouve la clé du local électrique. Et en même temps, il faut qu'on trouve le laundry. C'est ça. Hein. Clé du local électrique. Et là, par contre, il nous dit qu'il sait pas. Hein. C'est verrouillé, rien n'a dit que la clé, que quelle clé est nécessaire. Bon, ici, on n'est jamais. Ah, si, c'est là où j'ai pris la bougie, je trouve. Je vérifie quand même vite fait si on n'a rien oublié d'essentiel. Comme une ampoule. Et hop, prends l'ampoule. Essaye d'optimiser, quoi. Il y a plein de bougies, hein. Do not try to go in the local room. Ah ouais, mais c'est exactement là où on veut aller, nous. Qu'est-ce que tu me dis? La clé du. Mais me spoil pas, mon ami. Non, faut pas me spoiler. Sinon, ça sert à rien que je joue. T'es gentil, hein, mais je. Non, faut pas me dire. Ce qui m'intéresse, c'est de pas savoir. Tu l'as lu en anglais. Ah, quand c'était marqué upstairs. Oui, demande. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Quand c'était marqué demandez à votre père dans son bureau à l'étage. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, comme je suis un peu con, j'ai pas retenu. Les objets dynamiques essentiels à votre progression réapparaîtront dans la pièce de stockage. Ah, c'est ça la pièce de stockage? Située au sous-sol, lorsqu'ils seront laissés en arrière. Attends, je te rappelais ce que tu avais lu il y a 2 minutes. Oui, excuse-moi. Et comme je l'ai lu en anglais et que en même temps je stream, je joue, j'ai pas tilté qu'il fallait que je retourne dans mon bureau en fait. Enfin que c'était j'avais la clé en fait. J'ai pas fait de lien sur le coup, même en traduisant. En fait, j'ai lu sans comprendre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ils sont mauvais hein, ici. Bon, en tout cas, ils sont très catholiques, ça c'est bien. Ils sont très pieux. Putain, j'ai cru que c'était une main. Ça va le son là, Tama 78? La voix est pas trop forte? Allumé là? Ah non, j'ai éteint. Attendez. Je fais là.
Là, j'éteins le briquet. On allume quoi? On a les pédales. Ça allume quoi ça? Rien du tout. Est-ce qu'il faut une ampoule? Non, l'ampoule est là. Ah bah c'est bon, c'est ça que j'ai allumé. Le petit test, hein. Ouais, non. Okay. Bon alors pourquoi on vient là? J. Ça sert à rien, de toute façon. Tourne au premier étage. Ici déjà. Je me souviens de rien. On a déjà été, hein. C'est là. Oui. Pas du tout. Allume ça. C'est quoi ici? Fermé de quoi? Pourquoi? Attention, votre briquet est presque vide, oui. D'accord, mais... Oui, mais je veux l'éteindre, justement. Si tu me laisses l'éteindre. C'est fou, hein. J'appuie pour l'éteindre, il veut pas. Le briquet est vide, on n'a plus besoin de le garder. Ben, bravo. Alors toi tu m'as dit que c'était H. Ok. Du coup ça me donne envie de prendre une ampoule. Je sais plus où elles étaient. C'est tombé. On va se prendre l'autre briquet. Bon c'est bon, on a déjà deux des. Allez, on continue. Tout à l'heure c'était pas allumé ici, hein. Enfin c'était pas ouvert. Putain je viens d'allumer, pourquoi ça s'est rééteint? Ah non voilà. F11, F11, non pas F11, 5. Allez, allez. Clé du sous-sol. On a pas ça. Hein. Ici on a ça. Et allez, je galère un peu avec les touches du PC, hein, enfin, du clavier. Il y a bien un bouton pour allumer. C'est une baraque comme toutes les autres. Voilà, merci. Putain, il y a une tronçonneuse. Bon, on est pas mal là, on est pas mal, on est pas mal. On est pas trop mal. C'est pas une landre. Non, ça non. C'est un truc. Expose sa peinture. Bah, ils en ont des saloperies, hein. Qu'est-ce qui tombe? Ils en collectionnent des conneries. The Butterfly. C'est ça. Supérieur. C'est de la drogue supérieure. Ah, une bande dessinée. Ah. Un verre d'eau. Pas mal ça. Oh God Jesus. Comment on zoom? Mais moi quand je fais... Oh putain. Ça devait être un objet clé. Certainement comme la poupée russe. Collectif peut-être. C'est rien. C'est verrouillé. Objet... Ah, c'est verrouillé, mon cul, c'est ouvert. Ah non, mais c'est cause des pierres. C'est... Ça peut... C'est pas verrouillé. La porte, elle est pas verrouillée, là, mon coco. C'est une con, mais pas à ce point. Il me dit qu'elle est verrouillée. Je re-kick les du garage. Et la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Vous êtes d'accord que ça bug complet? D'accord que c'est pas possible, hein. Fou.
Il peut pas se mettre de côté là. Hein, on peut pas faire un out of un OB là. Ah, il y a un bug là, hein. C'est pas possible. Hein. Tu sais quoi? Je pense qu'on a été trop vite. On joue tellement bien qu'on va plus vite et puis le jeu l'a pas suivi. Ça s'est encore éteint. Attends, il y avait un truc là. Voilà. Parce que je veux vite rééteindre mon. Bon, là on est bien. Là il y a un escalier. On va monter. On peut mettre J ici aussi. 5. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est le streamer qui fait la diff. J'ai dû aller trop vite dans la résolution de leurs énigmes. Et le code n'a pas suivi. La porte est restée ouverte. Et le temps d'affichage. J'étais plus vite que le temps d'affichage. Voilà, on est remonté au premier. Enfin non, on est retourné au rez-de-chaussée. On va aller au premier. Évidemment, il y a encore la télé qui s'allumait. Je vais l'éteindre. Je déteste quand elle est allumée. On pourra se regarder une petite cassette. Quoi, quoi, quoi? On se casse. Ah, il y a un truc aussi. Allez hop, un autre briquet. Bon, ça va, ils sont généreux. Et les bougies, elles fondent, hein. Petit à petit, on allume tout, hein. Allez, on monte. Et où la chambre de papa? Crevé, hein. Chambre de papa, elle est là, la chambre de. Non, dans le bureau de papa, pas la chambre de papa. C'est le bureau de papa, ça. C'est le truc que. Tu as vu la trappe, grenier? J'ai pas vu la trappe. Ah, si, là, il y a une trappe. Ah, tu me spoil un peu, là, quand même, hein. Mais elle est hors d'atteinte. Remarque, t'as bien fait de me le dire parce que je crois que je l'aurais jamais vu. Il aurait son bureau à l'étage, ce dingue. Papa, là, genre, il bosse au grenier, quoi. Comment on allume, là, ici? Ça peut pas allumer mieux que ça. Ils sont fous, ici. Donc des petites lumières un peu partout. C'est tellement mal rangé, ça. Enfin, ça surtout. Ça, on l'a déjà fait. Mais c'est encore le drap de tout à l'heure. C'est quoi ça derrière? De quoi, d'où, pourquoi? Ah voilà. Bon, de toute façon, il m'aurait indiqué le grenier. Hein. Donc je t'en tiendrai par rigueur. Vous avez vu ça là? Le miroir semble montrer une pièce dans la maison. Bah ça. Ah oui, compris. Donc, ah, il y a encore une matrioshka ici. Il nous faut. Oui, à l'heure d'atteinte, d'accord. Crochet, il nous faut un balai, il nous faut un crochet, quoi, quelque chose. Ah, non mais bon, ça, non. Ah bah si, je l'avais pas allumé ça, putain. Ou alors si, mais de toute façon, tout serait éteint à chaque fois. C'est dingue ce truc. Carla Brunet, les tableaux.
Couloir. Avez vu? Il se déplace. Y a un mec à l'étage qui se déplace. On va le suivre. Là, ici encore. Il est là. Putain. 5. Y a pas un flingue? Ça m'arrangerait qu'il y ait un flingue. Qu'est-ce qu'on entend qui tourne? L'arrêter le ventilo? Qu'est-ce qu'on entend? Et dans le sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Pas fouiller dans le sac? Sac de gonzesse, hein. Lors d'un mec qui est peu regardant. Vraiment tous ces ouvrir, hein. Je les referme parce qu'après ça va être la merde. Quoi? Oh la photo. Ah, une matrioshka encore. Ah oui, ça c'est sûr que c'est des petits collectibles. Alors pourquoi? Ça faut. Ah, il y a des médocs là. Oui, mon inventaire dynamique est plein. Oui, ça va, d'accord. Le verre, je jette ça, moi. On a rien à foutre du verre. Je veux du médoc. On a deux paires de médocs dans les bras. Ça baisse à l'étage. Bah, si seulement. J'ai peur que. J'ai pas conçu le jeu, mais j'ai comme une idée que ça doit pas être ça. Mais bon. Soyons pas mauvaise langue, on n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement. Ah, eh oh. Non, voilà, là c'est bon. Là, il faut qu'on trouve quelque chose pour. C'est rigolo, des fois on est un petit peu en hauteur. Faut qu'on trouve quelque chose pour ouvrir cette trappe. Ça baisse. Non, il faut qu'on trouve quelque. Voilà, ici on n'avait pas bien vu. Là, il y a un coffre à la con. Hein. Ces verrures, rien n'indique quelle clé est nécessaire. Ok, mais on n'a pas été plus loin. Il y a encore un tableau de Carla la Brunet? Ah non. Pour une fois, c'est pas Carla la Brunet. Ça y est, on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis assis. Ah bah carrément. Se lever, c'est Z. Ok. Et interagir. Là, il y avait une carte du monde. Check le bureau de papa, ouais. Ce que je me suis dit de faire. Y a pas de. Ah? C'est quoi ça? C'est des canettes. Un alcoolo. Qu'est-ce que je peux balancer pour voir ce que c'est? Ah là, par contre, j'ai plus accès au. Quand je suis sur le bureau de papa, j'ai pas accès au. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir. Comment on zoom? Moi, mon zoom est merdique, il repart aussitôt. Ah, regarde. Hop. C'est ce que j'avais dans l'idée aussi, hein. Mais. Ah putain, mais oui! Merci. Un petit backseat comme ça de temps en temps, c'est vrai que c'est agréable. Bon, en plus, il y a le petit symbole d'électricité, donc comme on n'est pas trop bête.
Bon, très bien. F5. Hop. Donc maintenant, on peut retourner au... C'était... Non, 5, pas 5. Maintenant, on peut retourner tout en bas. Hein. On redescend, quoi. Oh, c'est quoi ce con? Vous l'avez vu, hein? Il y avait un mec. Oh là là. Ça veut dire, c'est pas sérieux. Oh putain! Salut, ça va? Oh, qu'est-ce qui, quoi? On se bat? On se la donne? Ah, il m'a pas l'air commode en plus. C'est bien ma veine. Et puis la lumière qui marche plus. C'est cassé. J'ai vu le ketchup. J'ai plus le ketchup. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qu'on entend? Ah, il flotte dehors? Ouais, c'est ça. Il y a un bébé qui pisse contre la fenêtre. Mais il y a des moments, c'est un peu flou. J'ai ouvert. C'était pas autant éclairé tout à l'heure. Hein. Putain, mais il est là maintenant. Oui, mais comment on allume? Attendez, monsieur, là. Attendez, attendez. Oh, il nous indique le chemin, il est... Moi, je serais bien tenté de me prendre un petit médoc. Ah non, c'est bon. Ça se barre, ça se barre. Quoi? J'entends des bruits derrière moi. On devient parano, là. Mais tu m'as l'air drôlement vulgaire, Thomas 78. Ou la femme qui se fait baiser à l'étage. Et une femme fontaine. Ah, tu m'as l'air en forme, hein? Non, la bouteille est vide, il y a raison de la garder. Bon, ben, on n'a plus de médoc. Ah, les gens sont plaisir sur internet, hein, c'est fou. Hein. Alors attendez, comment on peut savoir lequel est vide et lequel est pas vide? Regardez, là il me dit inutile de le garder. Ah oui, voilà, je peux faire ça. On est bien d'accord, il est vide, hein. La bouteille est vide, il n'y a aucune raison de le garder. Là, je suis là, on est bien d'accord. Hop, je change de main. Il est tard, désolé, dude. Non, mais je t'en prie. T'inquiète pas. De toute façon, il n'y a aucune. C'est marqué dans le chat, hein, t'as dû le voir en arrivant. C'est une liberté totale d'expression ici. Il hein. Y en aura le cul hein, de te censurer de partout. Si vous êtes comme moi. Hein. Pas le cul d'être censuré de partout. Ne manquez pas. Non. Okay, qu'est-ce que j'ai fait? Non, fallait que je descende. Qu'est-ce que je branle? Parce que là, je l'ai suivi comme un âne. Comme un con, quoi. Non, non, il faut qu'on descende. Pas moyen de l'ouvrir. Et de petit à petit. Tout est encore plus. Il y avait bien une lumière ici dans le temps. J'ai envie de revoir le téléphone là. Puis même, voilà, on peut allumer là. Ça veut plus, hein. Allô? Rose? Finalement, ça fait 3 semaines que je suis chez moi. Oui, je suis pas sorti, mais est-ce que tu peux venir? Je retrouve juste l'escalier. C'était là en fait. Il y avait pas une lumière ici, voilà. Ah oui, d'accord, plus rien ne marche. Bah bravo. Ce qui est bien, c'est que on a laissé des bougies. Il est tard, c'est pour ça que tu suis papa, tout est scripté. Oh oui, tout est scripté.
c'était pas ça. Merde, mais je me souviens plus. Attendez. Je l'ai retrouvé, hein. Mais je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait. Je sais qu'on venait d'en bas. Oula, je me sens mal là. Faut vite que j'aille à la lumière. On est resté trop longtemps dans le sombre là. Ça va plus. Il va. Ça ne semble pas fonctionner. Bon bah, on est là. Ah voilà, c'était ici, tant mieux. Alors. Ah ouais. Si, la salle de jeu. Bon. Quoi? C'est que des bruits. Ils essayent de me faire. Je suis plus fort que ça. C'est que des bruits. Évidemment. Regarde quand même s'il n'y a pas un petit truc. Ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. Mais tu m'as dit que c'était H. Hein. Ah voilà, c'est bon. Bon, allez, on y va. Un petit F5. Courage. Par contre, là, on est obligé. Bon, j'ai laissé allumer. Hein. Je me souviens plus. À quoi c'est la clé? Non, ça c'est la clé de. Non, c'est. Non, la clé du garage, on l'a pas. C'est la clé de quoi qu'on a là? Ah merde, je sais plus. On a la clé de le truc d'électricité. Ça doit paraître, ça doit être par là, là où c'est les travaux, vraisemblablement. Oui, voilà. Mais merde, je suis revenu. C'est un labyrinthe cette baraque. Non mais me spoil pas tout. J'ai envie de faire le jeu. Enfin, j'ai envie de trouver. Me spoil pas le déroulement parce que sinon j'ai plus de plaisir à jouer. Parce que l'intérêt du jeu, c'est de pas savoir. Essayer de trouver par moi-même, examiner. Non mais j'imagine que t'as raison si tu veux. Ah, tu connais pas le jeu. Alors je pense que t'as raison pour trouver le crochet. Attends, tu dis quoi? Retourner vers la salle de jeu pour utiliser la clé. Oui, alors ça je pense que c'est en 1. Alors le truc, c'est que je ne retrouve pas. Attends, qu'est-ce que tu m'as marqué? Retourner vers la salle de jeu pour utiliser la clé. Trouver un. Je pensais que tu connaissais le jeu, c'est pour ça. Trouver un crochet pour ouvrir le grenier. Ok, on est d'accord. Trouver la laundry pour le jean. C'est les pistes que tu as trouvées. Voilà. Non, non, mais je pensais que tu avais fait le jeu en fait. Mais si tu l'as pas fait, oui, c'est. Bah, en fait, j'ai à peu près le même ordre en tête. Mais du coup, je retrouve plus la salle de jeu. Bon, je vais la retrouver. Hein. Et puis, bon, bah, le crochet, par contre, bon, je pense qu'on va la trouver sur la route. Ah, voilà. Voilà. Là, voilà, on y était. Je me souviens d'ici. Voilà.
Mais là, il aime pas que je sois là. Hein. On va se mettre un peu plein phare ici. J'en profite pour prendre un peu de clope. Ah putain, la nicotine. Fumé il y a 4 ans. La cocaïne non plus. Non, je plaisante. Je sais que c'est pas loin. Ah ouais, là, il y avait la télé. Bah voilà. Voilà, on y est, on y est, on y est, on y est. On y est, les enfants. Ne zappez pas. On y est, on a réussi. Voilà. Ah, tu t'es arrêté au cannabis? Bon. Déjà bien. Pour le cannabis, il faut quand même fumer des cigarettes. C'est le problème. À moins que tu te tapes des douilles, mais. Bon, faut quand même mettre du tabac, quoi. Si j'ai bonne mémoire, moi j'ai fumé quand j'avais 20 ans. Des années que j'ai. Ah, puis après, j'ai pas pu parce que je travaille dans la police. Travailler dans la police, tu peux pas. Tu peux pas fumer. La pure Jamaïque. Voilà un panneau qui nous intéresse, les enfants. N'est-ce pas? Bon. Alors. 11 piano room, 6 bathroom second floor. Oui, bah moi je veux mettre tout. Ça allume quoi là? Que j'appuie ou que j'appuie pas, ça éteint quelque chose. Moi, je vais remettre des fusibles. Ah, c'est la kitchen. Ah, voilà, en fait, quand j'appuie, ça fait baisser le levier. Du coup, faut qu'on retrouve des fusibles. 7 et 8. Master bedroom. Mais en fait, quand tu parles pas anglais, t'es dans la merde, quoi, quand même. Hein. Linky Simulator. Attends, qu'est-ce que t'as marqué? Le tableau électrique aux normes Linky Simulator 2021. T'es bien d'accord que si un mec il parle que français, bon, là, le basement, bon, le garage, ça va aller, mais. Dining room aussi, une remarque. Bassroom aussi, piano room. Mais ce que je comprends pas, parce que bon, moi j'ai des heures chez moi, mais alors 15, 16, il y en a qui sont barrés, 16, 17. On a quoi dans l'ordre? On a 6, 13, 17. 17, la chapelle, il y a une chapelle dans la baraque. Quand je suis arrivé dans la pièce, c'était éteint? Je suis arrivé, c'était comme ça? Et c'est moi qui ai allumé? Ben, je regarde, mais il n'y a pas d'interaction. Il y a une corde pour se pendre. Il n'y a pas de. Et quoi que je fasse, regarde. Il n'y a pas de. Comme si on pouvait rajouter, tu vois, un fusible ou. Juste, ça nous dit l'ordre des pièces. Ça, c'est l'entrée. Je comprends pas pourquoi c'est barré en fait. Il y a certains. 3, laundry. Ah, laundry room, c'est la 3. Mais c'est là où on doit aller. On va suivre le câble. Bon, déjà, elle est au-dessus de nous. Hein. Ouais, c'est moi qui ai allumé. Donc maintenant, ok. Et là, il y a une boîte de médoc. Oui, il est plein, mais y en a un des deux qui est un peu vide. On ne saura jamais lequel c'est. Je vais laisser une ampoule ici. Hein? Putain, mais il y a plein de trucs ici. Il y a encore un zippo, il y a encore une bougie.
Il y a plein de trucs là. Et là, il y a des hippos, il y a des bougies. C'est bien ici, hein. Est-ce que je serais d'avis à remettre une. Putain, les bougies, elles se consument. Hop. Oui, restez pas trop longtemps dans le noir, ça d'accord. Ah, mais carrément, il n'y a plus de lumière. Bon, là, c'est là où il y avait la matrioshka. Y a pas moyen de mettre une bougie par ici, mais. Ah, si, on peut en mettre une là. Attendez, je vais chercher. On arrête ça. Où la bougie? Ce qui est chiant, c'est à chaque fois de lâcher un truc, hein. Prends la bougie. Je préfère les avoir en. Pour pouvoir les rechoper, quoi. Voilà. Je reprends mon petit bricouin. Mon light. Voilà. Ok. Et je l'éteins. C'est bon. Et puis là, on va se reprendre une ampoule. Quelque chose qu'on n'a pas deux fois. Bon, du briquet, on en a. Des médocs, on en a. On se reprend un briquet. Là. Bon, il restera des médocs. On se souviendra qu'il se reste des médocs. Donc, du coup, normalement, va pouvoir allumer plusieurs choses. Et là, on peut toujours pas ouvrir. Qu'est-ce que c'était ici déjà? On se casse. F5, F5. On voit plus rien maintenant. Jette quand même un petit coup d'œil. Faut mettre des petits coups de briquet en fait. Ok, on se casse. Maintenant qu'on est venu, on a fait ce qu'on avait à faire, on a ouvert le. On a remis le compteur. Je sais plus par où passer. Non, là je tourne en rond. Pour monter là. On aurait dû mettre. Peut rallumer normalement. Ça semble fonctionner correctement. Ah oui, mais faut remettre une ampoule. Cette lampe n'est pas cassée. Ils disent que ça semble fonctionner correctement, mais il veut pas l'allumer. Bravo. On est d'accord que c'est au premier, hein. Il y a quand même un sérieux souci avec les lampes, les ampoules, hein. Ah voilà. C'est bon, celle-là, elle remarche. Attends, faut que j'éteigne le paquet, hein, je pense. Putain. C'est fou cette histoire, hein. Ça semble fonctionner correctement, sauf que ça fonctionne pas correctement. Là, il y a une lampe là, on va l'allumer. Voilà, déjà, on y verra plus clair. Il y en a une autre ici. Voilà. Bah, déjà, c'est beaucoup sympathique comme ambiance. Trop bien là. Donc là, on retourne à l'étage. Qu'est-ce que quoi? C'est la télé à chaque fois qu'il se rallume, elle me fout les jetons. Pourquoi ils font ça? Intérêt. Allez. Qu'on trouve un crochet, moi je pense que t'as raison. On trouve. Qu'est-ce qui peut servir de crochet? Balayer la chiotte. Une corde avec du PQ. Dedans, c'est ça, un truc pour se mettre dans l'anus.
Ah non, c'est de l'orange, c'est du soap, je sais plus comment on dit en français. C'est du shampoing. Oui, du savon, ça, soap, oui. Tant pour moi. Bah, lui, il est bien mignon. Ça me rappelle la chambre de mon fils, là, on vient de la terminer. Mon gamin, il va naître le 22. Alors, c'est sûr que c'est pas. On a essayé de faire une autre ambiance, hein. Je vous le cache pas. Hein. Bon. Arrête les conneries, là. Oui. Ah, bah, il y a encore des matrioshkas, maintenant, il y en a deux. En fait, c'est les matrioshkas qu'on a trouvées, elles se retrouvent ici. Non, il aime pas, il aime pas, il aime pas du tout que je fasse ça. On se remet. Ah, merci à toi. Merci à toi. Bah ouais, tu vois. Oula, oula, ou quoi, quoi. Attendez, on va faire baisser un petit peu le cerveau là, regardez, hop. Bon, et puis je vais baisser un. Comment on remonte? C'était par là. Hein. C'est le bureau de papa. Je sais plus. Putain, putain, merde. Quoi? J'ai pas peur. Oh. J'ai pris pour qui là? Le patron. Là, ça aurait été bien d'avoir une bougie. Hein. Mais là, c'est curieux là, cette histoire. On pourrait sauter là, quasi. Ça serait bien qu'on puisse ouvrir, on puisse ouvrir et fermer en double-cliquant. Mais il veut pas. Ah là, la trappe, elle est là. Hein. Mais du coup, je. Oh putain, à chaque fois. Il me faut un médoc. Comment je fais pour l'utiliser? Déjà, on s'est repris un médoc. Tourne là. Qu'est-ce qu'on entend? Ah voilà, déjà on peut allumer. Si on peut allumer. Non, là ça éteint. On est déjà venu là, on est déjà venu. C'est la chambre de la gamine, c'est la chambre de la gamine. La chambre de Sarah qui fait 1m80 maintenant. Bon, soyons pas trop bêtes. Maintenant qu'ils nous ont demandé. Voilà, là c'est allumé là. Putain, alors je sais pas ce qu'ils appellent allumer, mais. Ah voilà, là c'est allumé. Tu vois, ça s'allume pas comme ça, hein. Maintenant tout est éteint. Cette porte-là qui est. Qui. Ouvrir. Bien sûr. C'était où le bouton? Non, je veux pas prendre de médoc. Suis planté comme un connard. Comme un coquin, pardon. Mais à chaque fois je reviens ici, c'est pas là où on veut aller.
Voilà. Mais non, mais là, on revient dans le bureau de papa. Ça nous a servi à quoi d'allumer le compteur? On doit aller dans le laundry. À aucun moment, j'ai... C'est pas épicole, hein. La bouteille de Jack Dan de cocktail à la con. Vous savez, les bouteilles d'alcool dégueulasse, là. La chambre, hein, c'est pas bon signe. Puis vas-y, niveau médoc, il est quasiment au même niveau que moi, hein. Ah, puis vu ce qu'il y a par terre. Ça a pas l'air d'être pas une semaine qu'il est sous traitement. J'arrive plus à me souvenir. C'est voulu, hein. Le jeu est fait d'une façon. C'est labyrinthique. Non mais là c'est pas possible, en fait c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Par ici mais... Voilà, on reste là. Villageoise. Oui, alors la villageoise, ça c'est du jaja, c'est vraiment quand t'as pas de blé, hein. Ça pour te taper une bonne colique, il n'y a pas mieux. Mais bon, quand on est jeune, avec 3-4 potes, allez, 2-3 petits litres de jaja, de villageoise, allez, ça va, ça passe. Hein. Une question d'âge, c'est une question de tempérament. Bon, je t'avouerai que j'en ai jamais bu. Ou alors peut-être vraiment au détour comme ça d'une ruelle. J'ai quand même eu toujours un peu les moyens dans ma vie de pas aller de pas taper dans la villageoise. Mais ça a dû m'arriver une fois de goûter, peut-être. Hein. Pas mentir. Mais j'en ai jamais acheté, voilà. Non, j'ai quoi? Ma pudeur. Bon, c'est gentil, mais alors maintenant, je sais pas. Hein. D'ailleurs, je ne retrouve même pas la trappe. Chaque fois, il me fait chier avec ça. T'as jamais goûté non plus. tu ne perds rien. Tu y gagnes. Bon, voilà. Ever cleaner, toujours propre. Non, ça c'est une très mauvaise cendre. Je me souviens plus où est la trappe. Là, regardez, c'est éclairé. Hein. On a éclairé le. Elle est là, la trappe. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qui est éclairé en haut? Êtes bien d'accord? Ah non, parce que j'ai allumé la lumière là. La trappe est ici. Mais il me dit que la poignée est hors d'atteinte. Bon, il faut réfléchir. Là. Ouais, la trappe est là. Il faut réfléchir comme le jeu. Il faut réfléchir comme les développeurs ont voulu le faire. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé d'aller en bas. On a allumé ce putain de. On a allumé ce putain de compteur. Bon, j'ai pas tout lu, mais il y avait quand même le laundry qui a été allumé. Ça veut pas dire que ça ouvre la porte, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Alors quoi, il y a des pièces qu'on peut allumer maintenant, d'accord? Parce que notre truc, c'est ça, hein, c'est de trouver cette putain de porte de garage. Hein. D'accord? Il y aura un truc que j'ai pas regardé, genre. Forcément un objet que j'ai pas. C'est indiqué l'étage. Sur le tableau, c'est indiqué l'étage du laundry. Non. J'ai pas regardé. Je crois pas. Je crois pas. Vu le fil, c'était au premier. Parce que le fil et tous les fils montaient. Mais en même temps, je suis jamais tombé sur une porte même qui était fermée, qui pouvait me laisser penser que c'était le laundry, quoi. Là, je tourne en rond, c'est pas là, hein, c'est pas là. Tout ce que je vais faire, c'est vider mon briquet pour pas grand-chose. Car je pense qu'il faut trouver le laundry room, ouais. Je pense comme toi. Je pense comme toi, mais je...
Non mais là c'est pas par là, je suis en train de tourner en rond pour rien là. Je pense que c'est peut-être même pas au premier. Je t'ai dit, les Américains ils lavent pas leur slip à l'étage. Non non, la femme, elle, pour que ça soit accessible tous les jours, elle va au laundry. Oui, t'es d'accord avec ça, bah voilà. Ah, on essaie d'être pragmatique. La femme qui s'occupe de ça. Oh putain. Oh putain, je suis complètement dans le noir. Ça serait bien. Non, là c'est un placard. Pas moyen d'ouvrir. Non, non, la femme qui s'occupe de ça, elle a besoin d'avoir accès. Elle va pas tous les jours s'amuser à passer à l'étage, quoi. SOSS. C'est au sous-sol, je pense. On peut retourner, hein. De toute façon, au pire, en redescendant. Ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois, ça se réteint. Ça doit se rallumer, ça. Ça semble fonctionner correctement. Ben, ça semble fonctionner correctement, non. Bien que non. Je vais redescendre. Pas peur. Parce que c'est super. Non mais plus rien. Hey, j'ai allumé le truc et plus rien ne fonctionne. C'est pire maintenant que j'ai allumé le compteur. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la clé du garage. Je me trompe toujours de. Non mais je tourne en rond, et c'est fou hein, parce que quand on est dans le sombre là comme ça, on croirait pas, mais tout se ressemble. Alors peut-être que quand vous, en regardant, vous avez une vision plus globale et vous avez l'impression que je tourne en rond, je vous assure que quand on joue, là il y a une porte par exemple. Là je retourne, là vous avez vu ici ça se passe mal hein. Ah bah non, là il me dit pas que ça va pas bien, là je suis dans ma salle de repos. Enfin de repos. En tout cas c'est particulier. Hein. Pas allumé. Non mais plus rien ne fonctionne depuis que j'ai touché au compteur. Ah regardez. Et bah voilà. Ça pourrait me servir à. Ça y était pas avant ça. Fou. Ça c'est dégueulasse, regardez. Ça pourrait nous servir à ouvrir la trappe. Mais ils veulent pas. Ah si. Alors là je suis content, j'ai trouvé tout seul. Putain, faut le savoir que ce truc là il est là. Et ouais, la trappe. Et voilà. Évidemment. Vous avez trouvé le long crochet. Un long crochet. Et puis il est beau, hein, regardez ça. Vous avez cette poignée en chêne? Ça, c'est un matériel. Matériau de première qualité. Hein. C'est pas du crochet de PD. Hein. Bon. On a le crochet. Ah, une petite save. On a bien fait de revenir, mais alors putain, mais rien nous indiquait de revenir ici. Hein. Ah bah, curieusement, maintenant, tout est plus calme, tout est rallumé. Ça c'est le calme avant la tempête, hein, je vous le dis. Allez, on remonte. Ça connaît un peu la baraque. Vous avez tout est rallumé maintenant, hein. Il n'y a plus de problème. Tiens, je vais essayer d'allumer ça pour voir. Non, il veut pas. Ah, je sens le jump scare là. Ah, tout est rallumé. Je refais F5. Je sens le jumpscare venir. T'es genre, allez, tout va mieux là. T'inquiète. C'est par ici que ça se passe. Hein. On est d'accord.
Oui, la poignée d'or d'éteindre, mais moi je veux éteindre mon briquet pour pas consommer. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici, non, il se fout de ma gueule. Pas parce qu'il veut que j'allume en même temps. Attendez. Il y a méprise. Ok, il veut que je puisse voir en même temps la trappe. Ah voilà, attendez. Hop. Voilà. Oh là 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 là. Attendez, attendez. On flippe pas, tout se passe bien. On fait un petit F5. C'est un jeu vidéo, hein. Oh putain, allez hop, on se casse. Enfin, on monte. En plus, je me balade avec une ampoule. C'est ridicule, hein. Je pense qu'il faut faire le tour, on peut pas passer par là. Avec... Ah, je me mine le cul, là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et on monte. Oh là là. On aura progressé quand même un peu, là, hein. Bon, il n'y a pas une lumière ici, messieurs, dames. Hein? Vous êtes bien gentil. Ah voilà, on a trouvé le siège. C'est une vieille chaise à bascule. Putain. Il y a un bébé qui chiale. Ah, ça donne envie de faire des gosses, hein. Juste avant de me balancer là-dedans, je veux voir si j'ai pas loupé quelque chose. Oh putain, putain. Allez, on se casse. C'est peut-être exprès pour nous foutre les jetons. Allez, on descend ici. Sauvegarde. Ouh. Dis donc. Bon bah il fait jour là. Ah bah voilà. Oh, je peux vous dire que le lit que j'ai monté là, j'ai mis 5 heures à le monter pour le gamin. Il est plus joli que celui-ci, hein. Quoi? Il est un peu plus accueillant. Bon, c'est des gens vraiment très très pieux, hein. Puis très très maniaque, hein. Vous avez vu au niveau des chiffres. Ah, on a une cassette. Objet clé entreposable. Les objets clés utilisables un nombre indéfini de fois peuvent être entreposés dans le monde de jeu. Attendez, je relis ça parce que j'étais en train de penser à autre chose. Les objets clés utilisables un nombre de fois indéfini de fois, non, un nombre indéfini de fois peuvent être entreposés dans le monde de jeu. Observez attentivement ce qui vous entoure pour découvrir où. Vous avez trouvé une cassette audio. D'accord. Et ben je vais l'utiliser. Évidemment. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. Mais chiale. Bah, chiale pas, mec. Je suis là. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? Camoulox. What am I supposed to do? Ah bah déjà quitte ta femme, hein. Ah bon, pas le meilleur conseil qu'on puisse donner, mais déménage. J'avais un petit conseil, tu déménages. Et là un matin, tu prends ta valise, tu déménages. Ah, on peut regarder ça. Effectivement, si ta femme commence à dessiner des trucs comme ça le matin, je suis pas spécialiste, hein. Je suis pas psychiatre, mais il se passe quelque chose.
Surtout que si après qu'elle a attaqué la feuille, elle commence à attaquer le mur. Il se passe des... Oui, effectivement, il s'est passé des choses là. Là, il y a quelque chose dans le couple. Il y a quelque chose de... Ah. Il y a un symbole musical sur la boîte. Elle est verrouillée. Donc là, on aura une petite boîte à ouvrir. F5. On a progressé quand même un petit peu. 3 heures, mais... Ah bah en speedrun, je pense que le mec, il finit en 10 minutes. Ah oui, bah en plus d'avoir écrit sur les murs, après, s'est amusé à faire quelques clichés. Alors là, on n'est plus du tout dans le Carla Bruni, là. Là, on est dans autre chose. Elle doit beaucoup l'aimer, cette photo. Non, là, on est dans... Là, c'est autre chose, un autre style. Bon, ça s'allume, j'imagine, pour nous faire peur. C'est le soc d'un moniteur pour bébé. C'est à quelle époque, ça? Moniteur pour bébé que j'ai vu, moi, ils sont pas gros comme ça. C'est pas des radios de la guerre. Ça c'est une radio allemande, ça. Une radio de la Waffen-SS, ça. C'est pas un truc pour bébé. Attends, vérifie si la bouteille de villageoise est vidée. C'est verrouillé, rien n'a dit que la clé est nécessaire. Alors, elle ne fait que répéter des chiffres. En même temps, tu vois, si on avait une suite de chiffres, on aurait pu les retenir. Mais bon, vu que là, hein, je peux pas faire mon inspecteur à deux balles, mais bon, là, il y en a tellement que il y en a aucun à retenir. Bon, en même temps, ce qui est bien quand on est coincé comme ça dans un huis clos, là, comme ça, genre dans la pièce, c'est qu'il y a forcément qu'une chose à faire. Un petit peu mes pompes. On peut pas les voir. C'est dommage, moi j'aime bien quand le personnage est modélisé. Pas tout. Hein? Pas tout demander. J'aurais dû mettre. En fait, j'ai Streamlabs qui est là. J'aurais dû mettre le chat à droite. Moi, je suis con, je l'ai sur mon portable qui est juste ici. Mais j'ai pas encore le réflexe. Hein. J'ai commencé vraiment à streamer il y a un mois. Alors par contre je stream beaucoup hein. Parce ce qui se passe, je suis pris d'une folie là de streamer. Je stream. Se passe très mal dans ma vie là. Bon, attendez, on va trouver. La cassette, on peut la récupérer la cassette? Oui, voilà. Bon, le bébé. Plus de bébé, hein. On peut faire tourner ça. Il semble manquer des morceaux. D'accord. Et les trucs du bébé, quoi. Faire, pantoufle, quoi. Ah bah si, en plus. Ramasser. J'ai trouvé une pantoufle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, on a ramassé la pantoufle. Des oncles. Non. Non, ils en sont pas là encore. Attendez, on a la pente. Accrocher. On va pas accrocher la pantoufle au truc pour bébé quand même. De toute façon, on peut tout tenter, hein. Je suis coincé ici, de toute façon. Allez hop, petit F5. Là, c'est la sauvegarde du pauvre. Hein. Quand tu commences à sauvegarder alors que t'as trouvé une pantoufle. Tu streams sur quel autre jeu? Alors, j'ai terminé Dead Space 2 là en hard. On s'est fait Evil Within 2. En ce moment, je suis sur Tales of Berseria. Et sur. Comment il s'appelle? Je l'ai reçu avant-hier. Merde. IS-9 Monstrum Nox. Sinon, on s'est fait aussi en Survival Horror, on s'est fait Remothered, Broken Porcelain. Et, enfin, je les ai tous streamés en ligne. Et on s'est fait Judgment.
Comme dans les point and click à l'ancienne, la plantouf avec le ketchup. Oui, voilà. Les chevets de Baphomet. Ou oui, sur les. Oui, je vois. Mais tu sais que moi, je suis né en 79, j'ai connu hein, ces jeux-là. Hein. Tu passais 15 ans à trouver le pixel perfect. Day of Tentacle et compagnie. Oui, et donc, et The Judgment, on s'est fait aussi. En fait, je fais beaucoup de jeux japonais, des licences japonaises et Survival Horror. Mais j'essaye de streamer les jeux que j'ai. Hein. Je collectionne en fait. Si tu vas sur mon Instagram, Bosson14, tu verras, je poste tous mes jeux. Je suis collectionneur en fait. Principalement. Bon, là, bon. Il y a un truc à faire avec... Non, j'ai cru que... Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. On va trouver, on va trouver. Il y a un truc à faire. On n'est pas coincé. Déjà, on va se mettre à genoux. Voilà, LucasArts. Ah, t'es de 83. Bon, on n'est pas très... On n'a pas de grande différence d'âge. 4 ans. Tu vois de quoi je parle, hein. Enfin, tout, tu... Enfin, tu... Je... On se comprend. Les Indiana Jones, évidemment. Ah, les Indiana Jones, hein, c'était tendu des fois. Sur les disquettes. C'était magnifique, hein. S'il n'y avait pas Internet, alors forcément. Quel bonheur d'ailleurs on a eu hein, de naître d'une génération où il n'y avait pas Internet. Hein. Véritablement, hein, tu peux voir la différence. Hein, avec les générations qui n'ont connu que Internet. On se baladait à vélo, on était avec nos potes, on n'avait pas de portable. Nos parents savaient pas où on était. On pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Interagir. Non, mais il y a un truc à faire avec ça. Ah, collectionneur. Alors attends, 83, le casse. Ah, collectionneur, c'était avant de rencontrer ma femme. Ah. Et j'ai encore mes box. Wonderful. Ah, c'est bien de les garder. Bon, il y a un truc à faire. De toute façon, le seul truc interactif que l'on a, hein, on est bien d'accord, c'est de pouvoir faire tourner cette merde. Hein. Pas d'autres mots. Hein. Moi, je serais tenté de mettre la pantoufle. Mais bon, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien de mettre une pantoufle. En plus, on ne peut pas l'utiliser ici. Se mettre dessus, mais voilà, regardez. Bon, bien d'accord. Rien, ça. Bon, la pantoufle, qu'est-ce qu'il y a? On met des coups de pantoufle à Marie? Moi je. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Veux bien. Moi je veux bien aller dans l'absurde, hein. Ça me fait pas peur. Hein. Bon, on peut réécouter la cassette. Ah, de toute façon, on a que ça à foutre. Dolores' symptoms are aggravating. S'appelle Dolores. Become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Ah, chiale pas, mec. Ça va bien se passer. I don't know what to do anymore. It C'est feels notre like lot the à tous, treatments are hein. only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her Baby inner monitor, il a house. dit. What does Voilà, that c'est even bon. mean? Ok, donc c'est le bébé moniteur. Hein. C'est le socle d'un moniteur pour bébé. C'est le seul lien que l'on a entre l'audio qu'on a eu, c'est que ce mec parle du bébé de moniteur, une suite de 5 chiffres. Ok. Non, je ne veux pas lui manquer. Okay. Et ça, c'est de planche. Pourquoi une planche, déjà? Pourquoi? C'est pas assez le bordel, déjà, dans cette chambre? J'imagine ceux qui ont déjà fait le jeu. Attends, on va regarder. C'est par où on est tombé, évidemment. Dolores. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé? La vidéo qu'on avait au tout début, quand le mec se flingue, il a tué toute sa famille.
Ça serait bien le mec qui parle, hein. Il y a un symbole musical sur la boîte, elle est verrouillée, d'accord. Non, et regardez ça, c'est quoi ça? Non. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas se voir dans la glace, hein. Je suis un petit peu déçu, hein. Le jeu est magnifique. Là, j'y joue vraiment en très très haute résolution sur très 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 bonne télé. On reprend la cassette, évidemment. Marie va nous aider. Là, c'est curieux, hein. Il y a quelque chose d'essentiel qui m'échappe. On va trouver, hein. Peut-être sous le lit. Je vais me coucher. Dans les poches, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Merci Tamai78 pour ton follow. Ça me fait très très plaisir. Sympa. L'objectif étant d'arriver à 50 pour mon anniversaire. Après, je fais des captures d'écran, j'envoie à ma grand-mère. Et il y a une autre pantoufle. Putain, je ne l'avais point vue. Il semble manquer quelque chose. Eh ben, l'autre pantoufle. Putain, je l'avais pas vue. Et voilà. Quoi? D'accord. Le miroir s'est brisé. Il fallait faire une connexion de pantoufles. Bon, maintenant on peut faire tourner ça là. Il manque toujours quelque chose. Bon, on a progressé, F5. La sauvegarde du pauvre. Et la porte s'est ouverte. Dites-moi si... N'hésite pas à me dire, hein, Tama, si le son du jeu peut être un peu plus fort. Ah oui, d'accord. Oh, moi, je veux bien y aller, mais... Elle est où la lumière? Ah non, ah non, 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 me faites pas ça maintenant. Hein. On était téléporté, sauvegarde. Oh là là! Pour moi, l'équilibre est bon. Bon, parfait. De quoi? Allez, on allume, on allume, on allume. Hop, 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 hop. Et vous voyez, notre petit cerveau, là, il va se remettre bien là. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a une cassette. Et vous avez vu, la lumière s'éteint à chaque fois. Bon, F5. On va redescendre, hein. Non, mais si c'est moi qui éteins la lumière, ça va pas le faire. On a fait ça pourquoi? On a toujours pas trouvé de Landry, hein. Ah oh, putain, regardez la porte. Là, c'est vraiment Silent Hill 4. Hein. Interagir. Ah oui, là, ils veulent pas qu'on y aille. Hein. Je suis pas un expert en porte, mais quand on voit un truc comme ça, il y a malveillance. Là, il y a quelqu'un qui veut pas qu'on passe. Pas un expert en porte et en chaînette, mais ça veut dire no passaran. Et qu'est-ce qu'on entend encore qui bouge? Ah, c'est la radio. Et la porte qui se referme. Votre santé mentale est dangereusement basse. À ce stade, seul décompris vous permettront de rester sain d'esprit. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Pour moi, l'équilibre est bon. Pas très vaillant la réaction. Ah ben. Est-ce qu'on peut? Déjà, je suis resté dans la maison. Hein. Avant, je t'aurais. Moi. Je te pète un carreau, je sors de la baraque, quoi.
Déjà, je ne sais même pas ce que je fous là. Aucune raison de rester dans cette maison. Hein. J'attaque à la masse le mur, quoi. Je me mets dans un coin jusqu'au petit matin. Hein. Là, je veux dire, ma pudeur héléno-chrétienne, je me la mets dans la poche. Hein. Pardon, ma fierté héléno-chrétienne, je me la fous dans la... Je me fous dans un tiroir. Non, non, il y a trop de choses qui se passent mal. Il y a trop de choses qui se passent mal dans cette baraque, c'est une évidence. Encore une fois, je suis pas expert, mais là... Quoi? Merde, qu'est-ce que je fous? N'importe quoi. Je suis en train de faire le... Hop. Oui, parce que j'ai un raccourci sur ma souris qui me permet de faire tab. Alors c'est très pratique, mais en fait pas du tout. Et je suis toujours à genoux. Bon, il faut absolument qu'on bouge là. Sinon, on va mourir. Ah, la bouteille est vide. Alors, tu m'as dit que c'était H hein, pour se débarrasser. Oula! La porte qui s'est. Eh ben, les portes sont. Alors, on sait qu'il y a des médocs en bas. Hein. On se souvient. Hein. On se souvient qu'en bas, il reste des boîtes de médocs. Le mec, il se balade avec son ampoule, ça me fera toujours marrer, quoi. C'est comme si je me baladais avec la télécommande, quoi. Mais bon, on juge pas. Un jeu vidéo. Mais c'est curieux que dans cette petite cuisine où il y a plein de choses. Hein? Prendre une tasse. Bon, non, non, on laisse tout allumé. Voilà, on laisse tout allumé, mais évidemment. Là, on ouvre le tiroir. Rien, là. Y a rien. Dans la petite bouteille. Bouteille. C'est pas une bouteille, c'est. Je crois que c'était une poubelle. Ah non, mais la maison part en couille complet là. Bon, en même temps, ce qui est bien, c'est que comme ils mettent des chaînes, ça nous limite dans les probabilités d'aller quelque part. On va être obligé d'aller au bon endroit. Moi, j'ai quand même idée qu'il va falloir descendre. Hein. Ne serait-ce que déjà pour prendre des médocs. Bon, la lessive, on n'a pas besoin. Eh mais c'est la laundry room! Elle est ouverte! Je referme. Hein. Ce qui est une très mauvaise idée parce qu'ils vont nous éteindre la lumière dans 2 secondes. Faut qu'on se souvienne qu'elle est là. Hein. J'ai pas un briquet sur moi? Si. Voilà. Comme ça. S'ils nous font le coup du blackout. Allez, ça va être là. Hein. Quoi? Là, on va trouver la poche. Le jean. Hein. Oui, la laundry. Là, on va trouver le jean, là. Alors, elle bouffe des cookies en repassant. Bah, c'est du. Ah, bah, bravo. Ah, non, c'est pour mettre une bougie. Allez. Voilà, il est là, mon jean. Et la porte du garage. Évidemment. Curieuse façon de regarder dans ce. Devant les trucs clés, entendu. Ouais, voilà. Mais c'est cette. On est gamer professionnel ou on l'est pas, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on passe un peu de temps à regarder les clés parce que vous remarquerez qu'elles sont drôlement bien modélisées. Hein. Le petit reflet, là, moi, il me plaît bien. Allez hop. C'est bon. Bon, sachant que maintenant qu'on a eu le trigger des clés, il va se passer des choses. Inévitablement. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Sauf que maintenant, on est prêt à toute éventualité. Ça, le jeu le sait pas, ça. Il savait pas qu'on sait s'adapter. Attention, votre santé mentale. Ben oui, mais ma santé mentale. Déjà, ça me regarde. Déjà, ma santé mentale, ça me regarde. De quoi le jeu se mêle? Donc on a la clé du garage. Reste maintenant à savoir. Ah ben maintenant on peut plus passer ici. J'ai fait la sauvegarde du pauvre là, F5. Merci, hein. Well done, merci, merci. Bon. Non mais vous êtes d'accord que c'est complètement curieux cette histoire. Que là, la gamine, regardez. Je suis pas fou. Là, Auguste, hop, 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 c'est une gamine, hein. Et tac!
Elle est grande comme moi. Je te dirais que tout est possédé par la gamine. Ça m'étonnerait pas. Quoi? Pourquoi rouge? Non, regardez, je suis sous la pelouse. Oh là là, ça craquelle de partout. Je veux pas être sauvé par mon ampoule. Bon, allez, on retourne. On est courageux. On prend sur nous. Déjà on éteint la téléhoche. On se reprend un petit coup de lumière là. C'est notre bronzage à nous. C'est bon. Rassuré. Profite pour qui ça? Ce serait bien la maman ça. Hein, de mariage. D'accord. Pourquoi pas. Hein. La porte du garage, elle était bien. Je sais plus. Était là. Il y avait deux portes du garage. Il y en a une là. Pas allumée. Sans envie de le savoir. Allez hop. C'est bon. Je vais éteindre. Ouais, c'est allumé à l'intérieur maintenant. Allez. Excusez-moi. Hop. C'est bon, ça fait penser à Resident Evil 7. Allez, see you, Tamar, et merci pour le follow. Passe une bonne nuit. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ah, on a ramassé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Canette, on s'en fout de la canette. Bah, on va l'acheter tout de suite d'ailleurs. Ça sert à rien la canette là. Ça. Non, ce qu'il nous faut. Attends, déjà, on retourne près de la lumière. On peut allumer là? On reste près de la lumière. La sauvegarde du. See you, peace. Allez. Dors bien, mec. Bonne nuit à toi. Ah, une trousse à outils. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que dalle. C'est dommage là qu'ils aient fait ce petit bug là. Je jouais vraiment très très bien et là de temps en temps il y a une petite. Vous voyez, c'est dommage. Et là, il n'y a pas un outil qu'on peut. Non. Contre, moi je serais d'avis de me reprendre un briquet, voilà. Pour être bien. Vite fait, on regarde vite fait dans les tiroirs. Bouteille. Certain que ça nous aide. On peut pas. On retourne près de la lumière et puis on monte à l'étage. Ils ont une belle bagnole, hein. Quoi, c'est une Mercedes, ça? Mais rien, j'ai pas le permis. Allez. On est bien là. La petite sauvegarde du pauvre. On allume? Ça va rien allumer, hein. Ah si, ça allume. Allez hop, on y va. Là, il y a un emplacement pour une petite bougie. Évidemment, on n'en a pas. Parce qu'on a tout foutu en bas. D'ailleurs, elles doivent être toutes consumées alors qu'il est. Ah, il y a un briquet encore. Eh ben, on va virer cette merde de bouteille. Hein, parce que franchement, on en a pas besoin. Hein. Et on va prendre le briquet. Le briquet, c'est la vie. Hein. On l'a compris très rapidement. Sans ce jeu. Il y a encore une ampoule là. Et les ampoules, c'est très sympathique. Mais pour le moment.
Bon, il n'y a pas eu d'ampoule trop compétée. Ça m'est arrivé qu'une seule fois de changer d'ampoule. C'était histoire de... Ok. Et on continue. Clé du garage, mais on a ça, madame. On a ça en magasin. Alors, pour ceux qui continuent à regarder. Oh putain. N'hésitez pas à me suivre. On va faire tout le jeu. Je stream d'autres jeux. Ça pour faire ma pub. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour que vous passiez un bon moment. Moi, de toute façon, ça m'amuse de streamer. C'est pour vous que je fais ça. Comme dirait Monsieur MV. Bon, donc là on est arrivé là, il y a de la tripe, hein. Il y a de la tripaille. Alors j'ai peur, hein. Suspecte que ça nous indique le chemin. Dieu. Moi je suis d'avis, parce que là ça va faire 3 heures, allez ça fait 3 heures que je stream. Il est quelle heure? Il est 3 heures du mat. Je suis d'avis d'arrêter là. Je fais un petit F5. Ça fait une première partie de 3 heures. Parce que je sens que déjà que moi, la peur baisse maintenant, puisque je commence à m'habituer au jeu. Je repasse en mode professionnel sur mon... Regardez ça, alors que ça merde. Voilà. Je continuerai demain. Demain soir, allez, à partir de... À minuit. À minuit, je commence... On continue le sublime jeu. Là, j'ai remis le son, là, comme ça, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à me suivre. J'ai un Instagram, tout est marqué. Voilà, vous êtes grand, hein, vous savez quoi faire. Ostro 14. Merci pour ceux qui m'ont suivi, puis merci pour ceux qui m'ont follow. Et je vous dis à très bientôt. Et tenez bon. Je sais que les temps sont troubles et les temps sont difficiles. Allez, tchuss.